Les questions des tribunaux, alors, c'est ce que tu achètes. Pourquoi je ramasse les trois cas de personnes qui sont ramassées. Qui peut ramasser ma chance, là. Il y a des gens qui viennent avec le problème, mais il faut aussi qu'il y ait une bonne constante. Il y a un cul, tu vois, c'est vraiment la masse. Mais toi, quand l'avocat, tu vas ramasser le marché, tu peux essayer de masquer. C'est que les nègres sont dedans. Il y a un problème. En tout cas, il y a des gens là-bas qui ont des voitures pour faire le ramassage. Normalement, on doit ramasser le marché. Mais la nuit, la plus, les gens viennent les tribunaux comme ça. Monsieur m'a dit qu'un jour, qu'elle a deux chez elle, qu'elle avait un qu'elle utilisait là, qu'elle énervait, il y avait un en bas là, qui était posé, elle est descendue là, chargée. Elle a porté le truc. Nous aussi, moi, j'ai tout mon nom, ramasse aussi. Tu vois, j'étais blessé, le lendemain, tu vas voir, nous, tu connais aussi, j'étais plus bien que pour toi. Tu poses, tu balances, tu prends, c'est comme ça. J'ai un pôle physique en ce moment, je disais que quand elle avait un nouveau. La première année. Chez lui, quand il se baladait, il voit des télévisions qu'on a mis, qu'on a balancées dans la rue comme ça. Quand il voyait porter maintenant dans sa chambre, il se retrouvait avec un montant de télévision comme ça. Après que c'est lui-même portant. Mais ça te gêne, non? Mais qui va, tu vas mettre où? C'est ta chambre. Tu vas marcher, tu vas voir l'imprimante, tu vas voir les trucs comme ça, l'ordinateur, les choses que moi j'ai pas dans la facote, je vais être là, à la poubelle là-bas, ce n'est que l'ordinateur portable. Un laptop, il est là. Oh, mais les ordinateurs, tu l'as, tout on jette ça, là, on jette. Avec les fibres cathodiques, la plume. Et jette ça, mais ça me comprend. Mais laptop, je passe. Voiture, je n'ai pas encore vu, parce que c'est ce qu'on n'a pas vu à la poubelle, là, ton voiture. Donc, tu vois, la casse, moi, je dis la casse. Ça va pas, on paye tes cadeaux. Si tu cites ta personne, tes cadeaux. Tu vas à la casse, tu vas dans un coup privé, non? Mais la coupe privée, là, tu payes. Je me demandais une émission là où c'est 18 ans, il y a un maman. Il y a une fille qui racontait qu'elle achète sa voiture à $200 à la casse. $200, tu imagines? C'est moins de 100, c'est moins de 200. J'ai un papa qui m'a proposé la voiture à 400 dollars que je donne 50 000, que je viens prendre, je parle. Moi, je n'ai pas le permis, J'ai un ami qui est parti avant moi, un an avant. Donc, il vous l'avait deux voitures. Il est arrivé là, il vous l'avait deux voitures. Ils sont là, c'est son bailleur qui lui a donné, il dit oui, et tu connais conduire, il dit oui, pense à tu conduis. Il lui donne carrément, il dit que tu conduis. C'est pas le carburant, le carburant ne peut pas toucher, c'est pas le taxe à payer. La voiture est moins chère. Il dit que le gars a deux voitures, pense à tu me l'avais. Lui que le patron a dit, il me dit 80 euros. Et tu arrêtes au patron, je ne suis pas 80 euros. C'est une case. Je dis ok, donne-moi l'argent. Moi, je dis pas avec. Maintenant, actuellement, il y a les gens qui sont là pour ramasser. Ils vont le livrer à ceux qui vont. Voilà, ils vont le Mais ça dépend de là où ça coûte. Par exemple, ça coûte à Malabo. Tu vas faire comment avant d'arriver à Bata ou à Bébé. C'est l'eau qui ne sait pas aussi. Les Camerounais sont les grands businessmen. Si c'est que ça, c'est très facile de faire quoi. Les Camerounais sont trop forts. Tous les réseaux, ils sont bien. C'est pour ça qu'on nous déteste. En Europe, on a peur. On a peur de quelqu'un, c'est des Camerounais. Nous, les Blancs, n'ont pas peur de comme les Camerounais. Elle ne voulait pas. Le Camerounais,
toujours. Oui, non, on est content. C'est du pays. Mais quand les gars qui disent qu'ils avaient la rage, quand les gars qui disent qu'ils avaient la rage. Non, les gars sont. Regarde le sang à l'œil. On a peur des Camerounais. On n'a pas peur des Camerounais. Nous faisons la gâteau de la zone. On a peur des Camerounais. Vous êtes passé par un contrôle de Congolais, on va le faire passer. On va le faire Camerounais. C'est juste pour moi qui compte tous. Parce que ça, juste le score de la zone. Et je ne suis pas tenu. C'est la gâteau de la zone. Et je ne suis pas tenu. Le gars pavé s'arrache derrière le dos. Je ne suis pas. Non, ils sont. Tu connais un Joe qui fait le taxi. Qui fait le taxi en France. C'est sur le niveau de vie, non? Quand tu es sur le taux de charge, bon, tu arrives vite, ça va sur le tour, ça va arriver. Tu gagnes 10 000 euros, 6 000 euros, 6 000 euros, 5 000 euros. Mais est-ce que pas quand tu es en campagne, tu gagnes plus que quand tu es dans les grandes métropoles? Ah bon? Ça te permet de construire, tu peux la maison moins chère. La fait que tu cherches en campagne. Si tu as un bon travail en campagne, tu gagnes. Parce que si tu as un vie comme Paris, même tu gagnes 1000 euros, c'est zéro. Et c'est l'heure que tu as pensé comment pour vivre là-bas. 1000 euros même, c'est petit pour vivre. Le salaire moyen, c'est 1500. Village. Quand tu dis qu'on a le SMIC, c'est 1200 euros en France. Donc, pour celui qui est pour si tu as la nationalité, tu ne travailles pas 1200. Donc, pour quelqu'un qui travaille, il a 1000 euros. Pour celui qui ne travaille pas le SMIC, il a 1200. Le salaire moyen, c'est 1500. À l'étalé, le SMIC, c'est 800. Pour son pauvre, c'est 800. Non, c'est 1000. Mieux tu go dans le coin reculé là où le poisson n'est pas trop cher et que tu as un bon boulot là-bas, tu... Mais si tu n'as pas du tout attaqué en ville, tu peux multiplier les petits trucs en ville. Un pays comme le Stade, il y a beaucoup de gens qui donnent dans les caisses. Tu vois, tu vois un documentaire là. Tu vois quelqu'un qui donne dans sa voiture. Dans son camping-car. Oui. Dans les roulottes, la personne sur les roulottes, dans la voiture. Oui, le camping-car, non. Le camping-car. Il a fait ça à la roulotte. La roulotte. Même quand il parle, quand il dit, ça va, je suis en train de faire la voiture, ça va, je suis un scooter. C'est ce moment, il y a le scooter, il ne parle pas à l'époque. Les autoroutes. Puisque c'est tracé, les routes sont tracées. Il y a espace pour chacun. Là, le champ, là où on est parti, d'abord, on a un fusil scooter, c'est pas un scooter. Il y a un petit peu mal de manger, je donne un peu dans la flotte. Moi, je mets la putain de 50 flottes. Tu dois rester équipé. C'est derrière le gaz, il y a tout. Tu comptes, si tu connais conduit, tu démarches. C'est mon fils qui compte, c'est quoi? Quand tu vois. Mais généralement, quand tu fais dormir comme ça, il te bouffe. C'est ça, la fin, il va te dire que non, tu as dormi là, bon, je n'ai pas le conduit, moi je vais conduire. Tu as vu au programme, et tu avances d'abord, après, je vais venir, reste après. Il faut demander.
Ne te donne pas ce qu'il veut. Quand on va prendre la Champions League, on te dit qu'on va te payer le match 150 euros. Après, on va t'avancer 50 euros. Le reste, pour te donner, on ne donne pas à l'autre. Il faut que tu aies le stade à l'œil, non. Peut-être que tu pars, tu veux que tu veux se rendre bagarre, on te donne. Oh, quand tu participes à bagarre, on te donne. On te donne même, mais après, on t'appelle. Donc, on fait un diplôme pour ça. On passe un diplôme pour avancer. Et si on te donne les 50 euros là? Avec 50 euros, tu peux faire exactement quoi, si c'est que tu veux t'alimenter, quoi. C'est zéro. Parce que si tu pars à un endroit pour rentrer, pour rentrer, moi, généralement, c'est qui peut le transport. Quand tu regardes les 150 euros, c'est passé de Rome, peut-être à Rome, je sais. Tu vas peut-être 50 euros de transport. Tu peux peut-être même 45 euros. Tu peux gagner. Tu n'as rien. Mais comme un est mieux que zéro. Non, au moins, ce qui est bien, au moins, c'est que tu as quand même un petit truc que tu fais qui te distrait par rapport à un environnement où tu n'as même rien. Et puis tu es là, tu t'ennuies. C'est où, c'est bizarre. Voilà, il y a quand même des petits trucs que tu sors et puis c'est tout petit, des petits jobs. On va t'appeler, tu vois, qu'on a lancé une annonce parce que là-bas, l'internet, on est venu par l'internet. À surtout, au moment, il faut être connecté là, tu vois, les annonces qu'on a lancées. On va te lancer les annonces, c'est seulement que il y a les têtes, les petits blancs là qui vont partir à tourner ou c'est quoi, dans tes parcs. Tu vois, tu parles les têtes seulement. Ah, les gens vont te dire. Mais c'est que si elle vise passe là-bas, ça c'est grave. C'est qu'il serait riche en quelques temps. À la plage, à Royal, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont les moyens, ils te donnent les enfants. Et quand les enfants rentrent, on les demande s'ils sont bien amusés. S'ils disent non, on dit que c'est un enfant qui est bien amusé. Tu parles comme si tu connaissais. C'est un enfant qui